L'amour est dans le pré, dans tous les prés, même ceux de Guyane. Alors qu'en janvier dernier, Karine Le Marchand a présenté au téléspectateur Raoul, un agriculteur réunionnais, il se pourrait bien que l'an prochain, elle joue les entremetteuses avec un ou plusieurs agriculteurs guyanais. M6 a publié dans la presse locale des annonces pour recruter des candidats. Karine Le Marchand se déplacera en Guyane entre juillet et octobre pour tourner les portraits, peut-on lire sur le site de France Guyane. Mais avant de se retrouver face à l'animatrice, il faut déjà réussir toutes les étapes du casting, qui commence par un entretien téléphonique d'environ 30 à 45 minutes. Nous cherchons à savoir si le candidat est vraiment prêt à se lancer dans l'aventure, car c'est un engagement sur le long terme, explique à France Guyane le responsable du casting, Julien Autune, qui précise qu'il cherche autant de femmes que d'hommes. Si la discussion est concluante, l'équipe de l'émission se rendra sur place pour découvrir pendant 3 heures le candidat et son exploitation agricole. C'est ensuite M6 qui valide ou non la candidature après avoir vu les images. Ce n'est qu'à ce moment que Karine Le Marchand fera le déplacement. Il y a jusque début juillet pour faire le casting.